Je sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis un certain temps, je me sens comme, qui dirait, un peu confiné. À l'étroit, dans ce prêt-à-penser où tout et son contraire se disputent la première place du pire au ridicule, je me dis que... C'est un monde qui s'endette et dans la rue on hurle aux abois. C'est quoi ça? Notre roi qui perd la tête et n'entend plus son peuple encore une fois. Tu vois pas? On travaille de plus en plus, on crève la dalle et dès le 15 du mois. Tu sais quoi? On s'est tous fait braquer par les ENAF, les banques et l'État. Ne me dis pas que ça t'étonne. Voir ça de mon vivant, la France à genoux, le cœur saignant, luttant, faisant une prière, comme pour vouloir se faire entendre dans les affaires en cours de Jupiter. C'est quoi ça? C'est une justice à deux vitesses qui épargnera toujours la cour du roi. C'est quoi ça? Sa majesté qui s'entête en aimerait entendre son cœur qui bat. Tu vois pas? Cette milice qui nous guette prête à tirer, n'attend que ça. Tu sais quoi? Nous on battra pas en retraite car c'est pour elle que l'on se bat. Ne me dis pas que ça t'étonne. Tu es fondu, rébellion. Comme toutes ces femmes que tu abandonnes. Le monde et surtout ses habitants marchant vers un autre avenir que celui que nous réserve la classe malveillante qui voudrait nous voir mourir. C'est quoi ça? Face aux menaces, je combattrai pour vous, contre le mensonge, pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Je vous servirai avec humilité, avec force, au nom de notre devise. Je vous servirai avec amour.